Vidéo Coco, Sans Neige, ni Reine, le Disney Pixar, Oscar du meilleur film d'animation, est une merveille on adore, pour leur traditionnel film de Noël. Les studios Disney Pixar avaient choisi de rendre hommage à la culture mexicaine. Au menu de Coco, une malédiction familiale, un apprenti mariachi, et des squelettes qui chantent. Et c'est magique, au point d'obtenir ce dimanche, l'Oscar du meilleur film d'animation. Article est publié pour la première fois, le 29 novembre 2017. Nous le republions après que Coco a obtenu l'Oscar du meilleur film d'animation, le dimanche 4 mars. Le secret d'un bon film d'animation? Ne jamais prendre les petits pour des imbéciles. Et ne pas oublier que tous les grands, oui, tous, ont conservé leur âme d'enfant, même lorsqu'elle est dissimulée sous une épaisse couche de cynisme. Dans ce domaine, les magiciens de Disney Pixar sont passés maîtres, de l'inaugural Toy Story, et ces jouets abandonnés par leur petit propriétaire au récent Vice-Versa, qui donnait la parole aux émotions d'une fillette bouleversée par un prochain déménagement. Manier des thématiques fortes, tout en distillant une magie visuelle de tous les instants, c'est le défi qui leur élève une nouvelle fois, avec le Coco de Little Krish, un vétéran de l'usine à rêve d'Emeryville. Miguel, son héros, est un petit garçon mexicain, dont les parents ont mystérieusement banni la musique de leur quotidien pour se consacrer à la fabrique de chaussures. Rebelle, le bambino préférerait évidemment jouer de la guitare pour une foule en délire, que de clouer des souliers du soir au matin, un hommage élégant à la culture mexicaine et l'or, qu'il tente de participer à un concours de talent sur la place du village, le voilà propulsé au pays des morts, un royaume funeste, mais archi-coloré, où les squelettes chantent, dansent, et festoient à l'image de son glorieux ancêtre, l'idole locale Ernesto de la Cruz. C'est le début d'un voyage initiatique, qui va permettre à Miguel d'assumer son héritage familial compliqué. Et d'embrasser son destin, forcément glorieux. En prenant pour cadre la célèbre fête des morts, au Mexique, Coco embrasse avec élégance et intelligence, la culture latino, pour aborder des thématiques universelles comme le deuil, la transmission des valeurs familiales, et le respect des aînés. Malin, le film est aussi incroyablement divertissant, l'exploration du pays des morts permettant aux animateurs de Disney Pixar de déployer des trésors d'inventivité. Mention spéciale à l'apparition surréaliste d'une Frida Kahlo d'outre-tombe à croquer, reconvertie directrice artistique de luxe de l'au-delà. Mais aussi à la bande originale du maestro Michael Giacchino qui mélange salsa, flamenco, et pop musique sans fausse note, même si on peut regretter l'absence d'un tube à la libérer, délivrer, composante indispensable d'un grand film de Noël. Ou peut-être pas, en fait, Jérôme Vermeulen mis à jour, créé.